Salut tout le monde, c'est Tinoui Fez et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un gaming live, non pas pour un tutoriel, mais pour l'annonce du live Kubaki no Life. Et oui, Kubaki no Life va faire du live certains soirs. Alors il n'y a pas de soir de la semaine prédéfinie où on fera un live, il n'y a pas non plus de rythme. On dit tiens, ce soir on a envie de faire un live, bam, on met le live. C'est comme ça que ça se passe sur Kubaki no Life. Et donc c'est Kubaki qui va faire le live, et qui va le commenter en majorité. Il va commenter du LOL, du League of Legends. Si vous connaissez pas, renseignez-vous, c'est très très bien. Et on pourra peut-être faire autre chose à l'avenir, pourquoi pas d'autres jeux PC ou d'autres plateformes. Dans un futur plus ou moins proche, je pourrais également moi-même streamer. On attend de voir quand est-ce que j'aurai la fibre optique et je pourrais faire aussi d'autres choses. Et donc si vous voulez suivre tous ces petits lives, il suffit de nous suivre soit sur Facebook, soit sur Twitter. Les liens sont dans la description juste en bas, il suffit d'appuyer sur la petite flèche roulante, c'est facile. Voilà, pour finir, on va faire des petites dédicaces, vu que c'est demandé. Dédicace à NRK, dédicace à Dreamix, dédicace à Maverick pour le code 48 heures, sinon j'en ferai pas. Dédicace à Teupo, dédicace à Kubaki et dédicace à Yomanix. Voilà, bonsoir tout le monde, c'était Inolifez. Bonsoir tout le monde, je suis Inolifez, à côté de moi il y a... Kubaki. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gaming live très vite fait, très chaud, de League of Legends, League de la Légende. C'est sur PC, c'est gratuit, c'est super, et si vous voulez jouer, inscrivez-vous et jouez avec nous peut-être, on verra. Enfin bref, nous revoici donc sur le nouveau mode de League of Legends, le mode Dominion, sur lequel nous devons capturer des points. Vous êtes dans la vision de Ikubakiz, qui a pris le champion Amumu. Avec nous, nous avons NRKHD qui a pris, donc vous voyez ici, Ezreal. Nous avons ici Yomanix avec Wukong, nous avons également Ichigo Tars avec Yorick, et nous avons moi-même avec Gangplank. Donc vous remarquez nos délires dans le chat, c'est absolument normal. Alors juste préciser un truc, c'est qu'on avait déjà fait une vidéo. Et le problème étant que depuis peu, YouTube nous a retiré les droits de 15 minutes, du play plus de 15 minutes. C'est pour ça que, c'est pour ça que cette partie est assez courte, mais bon, on va essayer de remédier comme on peut. Donc voilà, on avait déjà fait une vidéo explicative et tout, et on va pas tout réexpliquer là, on va plutôt juste commenter, parce que si un jour il y a moyen de la ressortir, voilà. Et j'ai eu la fibre, donc on va sûrement vous proposer un panel plus grand de vidéos, dont des lives, comme vous avez pu le voir en début de cette vidéo. On va sûrement, Exactement, on va sûrement pouvoir faire des lives. Donc là, nous allons être libérés dès maintenant. Donc je vous donne un petit bonus de vitesse et de dégâts d'attaque à tout le monde, afin qu'on puisse capturer plus rapidement les points. On voit que Kubaki se dirige seul vers le bas afin de capturer rapidement. Et que, oui j'ai fait un petit skill. Il y en a un qui capture le point qui est ici, et les trois qui restent vont venir capturer le point rond, parce que c'est qui là est où le plus il y a... dangereux, il y a tout le monde qui c'est va. C'est là qu'il y a la bataille. Donc là en l'occurrence ils ont fait n'importe quoi, parce qu'ils étaient deux en bas, alors moi je suis tout seul, donc je vais pouvoir largement tenir mon point étant un tank. Et voilà, je pourrais les défoncer. Alors qu'en haut, voilà, ils vont être que deux, et on va pouvoir capturer les... Voilà, genre bonjour tout le monde, vous voulez pas venir, tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait un petit moonwalk, c'était très sympathique. Donc voilà, voilà. En haut, il y a du teamfight, nous sommes du 4v3. Moi je dégage direct pour aller aider Kubaki en bas. Oui, je suis un gros salaud. J'aime abandonner mes coéquipiers. Là, ouais, là, voilà, hop, first blood et on va. Je crois que vous allez descendre pour capturer ou pour m'aider parce que j'avais un peu du mal. Oui, bah, moi j'étais en train de bouger, mais vu que j'avais pas de bot à ce moment-là de la partie, c'est plutôt lent. Mais dès que j'arrive, c'est largement bien, tranquille. Voilà, quand même, ils sont 2v1 et je suis pas un tank, donc au cas où je recule. Sinon, j'ai fait un petit peu mal, au cas où, vite fait, voilà. Je l'empêche juste de capturer avant de mourir, voilà. Mais je l'empêche de capturer, on gagne du temps, on gagne des points. Enfin, on gagne pas de points, mais on ne perd pas de points pendant plus de temps. Ah, donc moi, je me suis acheté. Comment mériter les sandales de Mercure qui vont vachement servir dans ce mode de jeu pour pouvoir me défendre et tout. Je commence par un cristal de rubis pour avoir un peu de PV histoire de. Là, erreur. Non, y a pas moyen, faut pas déconner, ils sont 3. C'est juste de. Je sais pas, de les tenir un peu, ouais, mais vu qu'on a pas le point, c'est inutile un peu ce que je fais. Donc, Et là, voilà, là c'est erreur stupide de la kata. Ça c'est grâce à moi, lorsqu'elle m'a vu, elle a fait « Oh, je veux faire un câlin à Gangplank » et elle est morte. Voilà, grosse erreur. Pour l'instant, je suis en train d'essayer de capturer en bas, mais c'est assez dur. Même si j'ai réussi à tuer quelqu'un grâce à l'ulti de l'ARK, même si on l'a pas vu, c'était très bien joué cette ulti. Voilà, il y a Ichigo qui a pris le bonus qui permet de le grossir et avoir beaucoup plus de... D'armure. Ouais, d'armure. Et aussi, lorsqu'il attaque, je crois que c'est toutes les 4 secondes, il inflige un éclair qui fait plus de dégâts. Regardez, ça vu maintenant, enfin, c'est jamais l'attaque. Alors, il faut attaquer, Ichigo. Il faut attaquer. Bon, c'est pas grave, vous ne le verrez pas encore, ça sera une surprise. Ah, peut-être Ichigo. Ichigo, tu veux mettre un petit éclair? On l'a pas vu. Ah, désolé, j'ai un fait l'action, et voilà, et comment on est capturé pour en voilà, Ichigo meurt, donc c'était très utile. On ne réussira pas à avoir Miss Fortune, Nerka va même mourir.
Non, donc j'ai essayé de remplir là un peu, mais comme ils étaient pas beaucoup, c'était un peu dur. Vous remarquerez que je m'en sors souvent à peu de vie. Regardez, hop, il a pas beaucoup de vie et je pense qu'il a fait l'erreur de mourir maintenant là. Non, ils vont mourir. Grâce à Yomanix, il va faire son ulti, j'espère. Ça serait bien de faire son ulti maintenant, non? Peut-être pas besoin. Enfin bref, faisons un petit point vite fait sur les tourelles. On nous en avons 3, ils en ont 2. Donc ils sont en train de perdre la vie à leur Nexus. Faisons un petit point sur le stuff et sur les scores. Donc Ezreal est premier de la partie avec son score de 307 points. Il fait du 3 à 5, a pris des bottes et une lame secrète de quelque chose. Mais mets-moi sur le 9 s'il te plaît. De Yomu. On voit même pas, c'est super. Yomonix est second grâce à ses jambières de berserker et son spectre vampirique. Il fait du 4-0-4, ce qui est très bon. Ichigo a pris des sandales de mercure, un phage et un parchemin de puissance. Il a 250, il fait 3-1-3. Kubaki, qui est avant-dernier, a pris les sandales de mercure et un catalyste protecteur. Et moi, qui est toujours dernier, vous allez voir, je suis souvent dernier, mais pourtant je fais de mon mieux. J'ai pris une brillance parce que j'ai besoin de mana avec Gangplank, ce sera ce truc de mana que je prendrai d'ailleurs. Et je commence des pas de mobilité, enfin je les ai même finis, avant de commencer une lame de flamme. Ichigo, j'espère qu'il va le tuer quand même. Ichigo, on n'a pas la misère de dégâts, mais ah, ça fait un peu juste. Et oui, il a eu bien joué, Ichigo. Non, je miss. Ah, Ichigo. Ah, autant pour moi. C'est qu'il y a maintenant les kills à droite, j'étais pas trop habitué. Voilà, hop, là, encore un kill, bravo. Voilà, rigolo, Ichigo a tué son homonyme. Moi j'ai tué Timo, c'est mon premier kill. Bonjour Timo si tu me vois. Ouais, donc voilà, moi je trouve ce mode de jeu sympa parce qu'on va on va assez vite. Hein, Il va assez vite d'ailleurs, cette partie a duré pas très longtemps, on les a assez bien à race, comme dirait Chips et Noix. Il y a Ichigo qui arrive à super bien tenir ce point. Même s'il va mourir, je pense là. C'est moyen quand même. Voilà, moi après je mets mon ulti pour les terminer. Enfin, j'espère que j'ai terminé. Oui, voilà. Hop, dommage. Pas mal. C'était mal visé. Pas mal de doubleurs. D'ailleurs, Nerk est assez dégoûté que c'est moi qui l'ai eu parce qu'il a quand même mis son ulti. Mais c'est pas grave, c'est Nerk à ça, petit rageur, on t'adore. Et moi pendant ce temps, en fait, j'ai souvent fait le tour là-bas pour pouvoir capturer tous les points. C'est un opportuniste ce Kubaki. Je suis pas le plus rapide, mais ce qui est bien, c'est que si je capture un point tout seul, j'ai de quoi me défendre parce que vous allez voir que La partie déjà à ce moment-là, on a bien avancé. Oui, on les a pas mal. Alors moi j'ai pas aidé vu que j'ai pas beaucoup de vie, je mets juste que tout le monde y allait, on a sauvé une RK d'une mort certaine. Voilà, moi Brandon Mendazus qui va venir, j'ai pas le temps de défaire leur tourelle donc j'ai pas la grosse tourelle. Alors vous remarquez que leur tourelle a une sorte d'anneau dessus, pour vous montrer, voilà. Et notre tourelle du haut a également un anneau dessus, tu peux montrer à toi, voilà. Donc c'est à dire que si les ennemis capturent la tourelle d'en haut, alors que nous n'avons pas capturé la tourelle à eux qui ont un anneau. J'ai fait un doublé d'ailleurs, je précise, je suis trop fort. Nous avons un bonus de dégâts. Vous avez vu le bonus défense tout à l'heure avec Ichigo. Et ceci est le bonus de dégâts. Donc j'ai vu que le Kubaki était sur l'outil, donc je suis revenu pour voler les frags. Ou mourir, au choix. Non, en fait, j'ai donné un petit bonus de dégâts. Ezreal Nerka a fait son outil. En fait, moi, voilà, je vais mourir là. Vous voyez, j'ai quand même une super défense. Et regardez, hop, je mets ma fatigue. Et je sais même si je vais l'avoir. Ça me paraît beaucoup. Ah non, hop, et je survis. Tu survis avec 22 PV, on l'a vu, 22, enfin je sais pas si avec Pierre. Ça mon flash, il faut pas que je back là parce qu'il y a je ne sais plus qui arrive, voilà Timo. Voilà, on t'a dit justement, il y a quelqu'un qui arrive, bouge-toi, je me rappelle. Voilà, là Ichigo va le tuer, mais d'une force, d'ailleurs vous avez vu l'éclat que je parlais tout à l'heure. Ichigo va le tuer, mais alors le Timo n'a rien vu venir, et il a tout fait, Voilà, donc là je vais backer, je vais me prendre de nouveau du stuff, là voilà Nerka qui essaie tranquillement, j'ai même pas de les gêner en bas, mais il pourra pas faire grand chose, là il a plus beaucoup de vie. Plutôt à Ichigo d'aller l'aider, ça va être un peu dur. Oui, mais Ichigo est également en grand besoin d'aide et je crois qu'il va même mourir à cause d'un Shempo de Mrs. Katarina qui est une petite déportation, ou peut-être pas en fait. Ah, c'était Miss Fortune, c'était Miss pas Katarina. Et qui va mourir en donc tour. Là, on n'a pas trop vu qui était qui. En haut, on a besoin d'aide, je crois que je m'ulti. C'est magnifique, j'adore ce timing. Mais voilà, ça fait un petit fail, ça arrive, hein, c'est l'ultime de Gangplank, c'est pas assuré que je les touche tous. Ça permet d'analyser. Alors là, finalement, ils étaient 4, j'étais seul, j'ai pas osé quand même. J'ai dû prendre le sein pour. Je crois que j'étais full PV, full life. Non, mais c'est bien de le prendre toujours. Ouais, mais après, si les autres ont besoin d'aide, par exemple, comme Yomanix. Timo, et pendant ce temps, moi, hop là. Je démonte Timo au passage. J'ai récupéré le point en bas et je me suis fait un bâton séculaire qui va être super utile pour cette partie. Vous allez voir, ça va me permettre de faire boum pas mal de kills. Magnifique kill de Nerk, hein. Vous l'avez vu, c'était sublime. Il n'avait personne, il a jeté son ulti dans la foule inconnue et anonyme.
Donc là voilà, là moi je vais pouvoir tranquillement les tenir en bas pendant que vous allez remonter petit à petit. Je pense que ça va faire comme ça, voire même je vais bouger, je pense. Pas battement de pied. Donc là on voit qu'en bas on n'a pas capturé la tourelle, hein. Donc dès que quelqu'un va apparaître, c'est-à-dire en regardant vite fait, Lumanix, c'est moi. D'ailleurs on va faire un petit point stuff avant pas longtemps. Donc là voilà, là les étroits, j'y vais pas, la trame et son outil c'est un peu chaud. Et finalement, je suis allé, hop, là, ben, là, hop, là. T'as réussi à bien tenir, hein, ah, attendant bien, l'arrivée des secours comme Merka, voilà, ouais, je vois. J'ai un kill tranquillement, et voilà, je me... Oui, il faut pas abuser non plus sur tes capacités de tank, hein. Mais Yomaix arrive pour te sauver une nouvelle fois. Voilà, au revoir, lui, hein, voilà. Il a fait quel peur. Quel ulti magnifique qui a juste fait peur, mais qui n'a pas fait de dégâts. Ah ouais, merde, il m'a sauvé. Oui, attends, je vais jamais dire le contraire. Hein. Bravo, Yomaix, ouais. Il joue de mieux en mieux, d'ailleurs, bravo. Moi, je fais pas trop de dégâts cette partie, c'est dommage. On va faire un petit point stuff, kill, etc. Le premier, c'est Kubaki maintenant. Il est passé de l'avant-dernière place à la première place. Félicitations. Il fait du 5-0-1. Il a pris le bâton séculaire comme prévu. Et a commencé. Attends, lâche. On va cliquer lâche. Ça sera mieux au moins. Oups, vas-y, j'ai appuyé sur le tout pour monter FPS. C'est pas grave. Donc on voit Kubaki premier 6-0-1 maintenant. 6-0-1 vu que tu as tué Miss Fortune. Yep. Tu as commencé quoi comme objet avec ta ceinture de géant? Le spectre de Riley. Allez, c'est ce que je pensais. Ezreal, Nerka est deuxième, il fait du 745 points. Il fait du 5-3-11, ce qui est très bien niveau assist, avec ses jambières de Berserker, sa lame secrète qu'on a vu tout à l'heure. Zell, là il est en train de se faire une danse en fantôme, avec sa, pour améliorer sa Zell. Ichigo, il nous fait du... Il nous fait regarde, une trinité. Regarde, attends. Boum, 2 kills. Là, Maze Fortune est revécu grâce à l'ulti de Yurik. Ouais, Kubaki's God a fait un doublé, légendaire, normal. Kubaki's God. Ah, je galère un peu, je quand même. Non, mais c'est pas toi, là c'est le double, je crois. Non, c'est moi, là. Non, c'est toi, là. Ah bon, ah, non, non. Alors, c'était très bien joué. Donc, moi, j'arrive, j'ai voulu finir l'autre, mais finalement, je ne pourrais pas. Passe à travers une... Ah, si, j'ai pouvé. Normal. Donc, après, ils étaient trop nombreux, faut pas abuser, je crois que je vais mourir. Voilà. Alors je finis mon point stuff, excusez-moi. Donc voilà, Trinité comme prévu. Et Yomaix est dernier avec... Ah, mais 11, il était premier, il est passé dernier. Ouais, 12-3, magnifique. Oh, triplé, pas mal. Ah, triplé de Yomaix, voilà, je fais triple kill. C'est toujours la classe. Et donc en objet, j'ai oublié de dire qu'il préparait certainement là une petite lame d'infini, je pense. Voilà. Donc moi je m'en même si j'ai pas beaucoup de vie, ça, je vais... Mm. Parce que Nasus, c'est en train de backer en fait depuis tout à l'heure, j'aime pas backer. Non, mais il back jamais Kubaki. Voilà, disons que j'ai un bon stuff donc j'ai pas trop de temps de backer. Toi, tu vas prendre le buff avec Ichigo. Non, ouais, je le couvre. J'ai dit, tu peux pas me le laisser. Et il ne m'a pas répondu. Et là, je pense que vous allez aller en bas. Et on va finir cette partie. Et aller finir, ouais, parce que je pense que là, moi je capture en haut, après je vais vous aider en bas et c'est le gang final. Donc, final gang. Voilà. Donc là on est en train de capturer. Je vais même capturer là-bas histoire les enquiquinis de toute façon, ce qui remonte, qui puisse vraiment plus rien faire. Bah, faut ils sont terminés. À ce moment de la partie, ils sont morts. Je déconne toujours, moi je suis un gros déconneur. Ouais, je fais les assists. D'ailleurs, je vais avoir pas mal d'assists. Hein. Je vais me féliper. Hop, j'en ai fait 18. Voilà, le meilleur de la partie, comme d'hab. 9-0-2 quand même. L'ulti très bien placé de Nerka, comme toujours. Il a permis de les faire reculer pendant ce temps, moi hop, j'ai Nasus est en train de rager en disant qu'il fait 3v1. Moi je lui dis que c'est un jeu d'équipe donc c'est normal qu'il fait 3v1. Tant pis pour lui. Katarina tourne. Voilà, là ils ont aucune tourelle donc au mieux ils capturent celle-là, mais la partie elle est finie. Voilà. Donc là vous allez voir leur score continue à baisser de plus en plus. Moi j'arrive, boum, ulti. Et là mon défi à ce moment-là c'est d'arriver le plus près possible de leur Nexus afin de danser et de faire le show. Ouais, donc on va déjà finir la vidéo parce que je sais pas si on va dépasser les 15 minutes là donc. On ne les dépassera pas de toute façon. Je crois que YouTube nous offre une petite marge de manœuvre. Yomaix a réussi son second triplé donc je fais triple kill au carré. Normal. Pour bien les faire rager parce qu'ils nous ont saoulé de leur la partie. J'ai fini mon stuff. Ça fait sur Spectre de Raleigh. Allez, un petit point final sur les stuff. Kubaki va finir premier, Ezreal va finir second. Oukon va finir 3ème, Yuri va finir 4ème et moi je finis dernier en ayant commencé ma trinité. Et je vais, non, je dirais, j'irai pas danser, c'est dommage. Ah, t'auras pas le temps. Voilà. Et donc voilà, le Nexus est terminé, nous l'avons défoncé et c'était la vidéo de Kubaki no Life qui annonce du live. Vous avez vu Kubaki no Life en bas à gauche dans le chat, c'était InnoLifez et Kubaki's. Salut tout le monde! Ciao!